Je me lasserai jamais de ça, je crois. C'est un défouloir personnel. Ça fait du bien de manger un peu. Qu'est-ce que t'as mangé? Une glace. D'accord. Ah putain, je suis pas le seul à être en slip! Ah mais le mec il va me... Non mais cette phrase qui sort d'outre-tombe là d'un coup. Mais... Enlève ton slip, toi. Je... Enlève ton slip. Oh. Enlève-le. Non mais enlève c'est le... quoi tes fantasmes chelous, mec? Qui c'est qui me tire dessus? Qui On me s'en tire fout, dessus? on peut pas mourir. C'est toi le chinois qui me tire dessus? Ah non, je suis pas chinois, t'es mexicain, excuse-moi. Il y a une femme, je vais la taper. Bonjour, appelez les féministes. Coucou. Oh, un roux, je vais le taper. Ah ouais, t'es dégueulasse. Non, je suis vraiment dégueulasse. Je ne suis pas raciste. Vous voyez, j'ai un ami noir il est même pas noir en fait. Pourquoi je dis ça? Toi, t'es bien blanc, comme moi. Ah, voilà. Voilà mon ami noir. Salut, copain. Tellement ton pote que tu lui fracasses la gueule à coups de poing. Je suis pas raciste, monsieur, j'ai un ami noir. Ouais, je me venge de la préparation, c'est ça. Je suis pas misogyne, j'ai une vengeance femme, absolue. D'ailleurs, la répartition des tâches, hein. Ouais. Moi, je prépare la couche, hein, et elle prépare à manger. Non, la vraie phrase, c'est avec ma femme, on se répartit les tâches. Moi, je les fais, elle les nettoie. Ah, elle est pas mal, celle-là. Voilà, attends, l'avion arrive par là. Attends. Attends, je... Moi je fous un marqueur par là, tu m'obéis et c'est tout parce que j'en ai ras-le-bol de tes conneries. J'allais te proposer de là-bas. Bon, ok, je valide ton point. On va au bleu. On va à Primorsk. Primorsk. On va à Primorsk. On va à Primark. On va à Primark, c'est ça. Et mais les mecs ils s'éjectent pas. Ah si. Si tu les vois partir. Ah oui, si, exact. Oh putain, on dirait des feux d'artifice en fait. C'est trop chelou. Waouh, waouh, waouh. Ok. C'est beau. Ils sont tous barrés, sauf nous. Bon, on va pas totalement à Primark, mais avec le parachute, on va arriver à ce... D'ailleurs, c'est pas Primark. Non, non, on y va pas. Bon, je à toi, parti, oui. Moi. Et bah, pas moi, je m'en fous, je vais à Primark. Bah, je suis dans... Ok, l'avion m'a éjecté tout seul, il m'a dit, mais dégage, tu me fais chier. Je vais vers le point bleu, hein. Pas moi. Bah, moi, oui. Je vais là où il y a le... Une genre de jetée. Là, y a... Bon, ben. À bientôt alors. Hein. Bah, on va se retrouver de toute façon. Enfin, non, je vais mourir avant. Bah, ouais, je pourrais te tuer aussi. On est dans la même équipe, je suis même pas sûr que tu puisses. Je sais pas. Mais ce serait pas drôle. Je meurs déjà très très bien tout seul, tu sais, j'ai pas besoin de toi. J'ai même pas regardé s'il y avait des mecs autour de moi. Bon, je suis dans un grand, grand, grand village. Il y a des mecs. Tu peux rentrer par le toit. Il y a des bagnoles, des baraques partout là autour de là où je suis. Et je vois pas trop de gens. Et moi, j'ai vu deux personnes. Je peux rentrer par le toit avec le parachute, putain. J'ai vu deux personnes autour bon, de moi. Évidemment, oh, je me suis foiré. Mais... Oh, un Scarel. Ah ouais, direct. Aïe, toi, aïe. Ah, t'es un mec comme ça, toi. T'arrives, ah ouais, Scarel. Ok, ça, direct. T'es chaud, toi. Hein. C'est. Ah d'accord. Ouais. Parce que là, moi, tu vois, j'arrive et j'ai un chargeur. Mais j'ai pas l'arme qui va avec. Ah ouais, t'es un bon toi aussi. Ouais. Attends, qu'est-ce que je peux trouver? Ah, j'ai un viseur point rouge. Encore un chargeur, génial. Est-ce que je peux avoir une arme? Ah. C'est quoi? Mais je me demande si j'ai pas trouvé le snipe dont je parlais tout à l'heure en fait. Sérieux? J'y connais rien en arme, donc... J'ai un VSS. Ça y ressemble. Bon bah j'ai mis dans le menu, tu verras. Oui, c'est un snipe. D'accord. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à camper comme un gros porc. C'est quoi cette baraque là-bas? Elle est énorme. Ah c'est pas mal. Le snipe c'est ça me va bien. C'est peut-être le seul truc que je peux peut-être gérer. Et j'ai un Scarel, voilà, parfait. Putain le mec il a tout trouvé. Bah t'as qu'à me suivre. T'as voulu Mais faire non. le dissident. Genre non non moi je vais là. Bah ok. Je alors. Ne suis pas un suiveur moi monsieur. Non. Moi oui mais bon. Depuis le début, je te suis. Ok, j'ai un Scarel, un t-shirt rouge. Ça craint un t-shirt rouge, je suis hyper visible en vrai. Et moi, j'ai une arbalète. Ah, j'ai une grenade assourdissante. Oh mec, j'ai un Scarel et une arbalète. J'ai un faux. J'ai un fusil de snipe et un Scarel. J'ai trouvé une fossile. Je vais remettre mon t-shirt blanc parce que je crois que je serai moins visible qu'avec le rouge. Voilà. T'as vu un peu, je fais de la tactique là. J'ai trouvé une fossile. J'ai tellement de la tactique que faut que je fasse gaffe. Une fossile. Et t'as pas un marteau aussi? Oh, c'est nul. Bah, c'était pas une vanne.
C'était une contre-vanne. Course de secours. Ah, j'ai un casque. Mec, je suis en train de me protéger. Je me set-up parfaitement. Comme ça, à mon avis, le temps que je ramasse une autre arme, je vais crever. J'ai un AKM. Je sais pas si je garde le Scarel ou si je prends l'AKM en fait. On va dire que bon, je garde le Scarel parce que j'ai déjà entendu le mot Scarel dans ma vie. Ce qui est la meilleure raison du monde. On est hors zone blanche, hein. Je te propose de te barrer. C'est pas con si je regardais. Ouais, je suis loin. Bon, il me reste 2 minutes 40. Est-ce que je peux pas... Attends, dans toute cette putain de ville, il y a bien une bagnole. Quand même. Mais tu viendras me chercher. Oh, une machette. Toi, t'as trouvé une moto? Non. Mais dans ta rue? Juste IRL. Je suis dans un grand village, il y a bien une bagnole. Sans déconner. Mais elles sont un peu perdues, les bagnoles, d'habitude. Ouais, c'est vrai. Attends, il y a une Jeep, mais je sais pas si elle est exploitable. Il manque les roues et les portes sont ouvertes. Tu crois qu'elle est exploitable? Oui. D'accord. Si tu comptes pas sur elle pour t'emmener là où tu veux. Pour rouler, ouais, c'est ça. Est-ce que je peux pas monter dans le camping-car? Je crois qu'on peut pas. Hein. Non, dommage. Non. Je vois un autre véhicule là-bas. Je sais pas si je peux... Bon, je me tire. Non, ça a pas l'air. Ok, bon, j'ai pas le temps, fais chier. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à trouver un peu de stuff. Si j'étais optimiste, je dirais avec ça, je vais pouvoir faire quelque chose de bien. Mais en vrai, je me dis surtout que de toute façon, je vais finir par crever. Mais je suis pas optimiste sur moi-même. Ah non, mais en fait, je vais jamais arriver. Si j'ai pas une bagnole, je vais mourir en fait. Parce que je suis trop loin. C'est un peu con, non? Attends. Faut que je trouve une bagnole, sinon je suis mort. Ah, je suis à côté de la zone blanche, moi, c'est parfait. En fait, ça va être ça, cette partie-là. J'ai trouvé des armes qui me plaisent bien, un peu de stuff, mais je vais crever parce que je serai hors zone. C'est possible, ouais. Ouais, ça m'étonnerait pas. Non, mais sans déconner. Je suis en train de courir comme un fou, mais je suis encore vachement loin de la zone. Mais je vais pas y arriver, mec. Hein. Genre, pas du tout. En 1 minute 07, si je trouve pas un véhicule, je peux pas y arriver là. Hein. Attends. Une minute? Oui, 1 minute pile, maintenant. Il y a un véhicule là-bas, mais je sais pas s'il exploite. Non, c'est un caillou. Je sais pas si c'est une bagnole ou un caillou. Et je suis en train de fouiller une zone, moi. Ok, le mec, il non, lui c'est a, un il caillou, a plus c'est un minute. Caillou, c'est un caillou. Ramasser non, mais mec, okay. Non, mais attends, là, je suis dégoûté parce que j'ai trouvé des trucs, je vais encore perdre parce que je suis hors zone. Je trouve pas de bagnole, je suis en train de courir, mais je peux rien faire. Putain. Non, mais merde, arrête de rigoler. Mais puis. Limitation attends, dans 30 secondes. Zone, putain, mais hé. Non, j'espère qu'il y a une mini tolérance. Non, c'est pas possible. Il y a peut-être une tolérance, ouais. Il y a peut-être une zone bleue qui apparaît. Genre dire au jeu, regarde, je suis en train de courir, j'y vais. 2 secondes. Non, mais en vrai, il y a peut-être une zone bleue qui apparaît et derrière, t'as juste le temps de. Ah, me fais pas ça le jeu, s'il te plaît. Pour une fois que je trouve une arme dès le début, me fais pas ça. Et il reste 2 secondes. Okay, je cours, je m'arrête pas. Blocage de la zone, je continue. Je ne m'arrête surtout pas, sous aucun prétexte. Je si, suis encore. Visite ta maison là. Non, ta gueule, je suis encore vachement loin, putain, mais c'est un truc de ouf. Est-ce qu'il y a genre une zone qui. Ou est-ce que le point d'exclamation c'est pour dire attention, exclusion si vous t'es pas dans la zone à la fin? Je sais pas, je t'avoue que là c'est je suis une expérimentation. Loin. Je cours, hein. Okay. Je fais que ça, hein. Mais je suis loin, putain. Je sens tellement que je vais me faire troller par le jeu en fait. Je suis un peu plus en ligne droite si je vais ici, normalement. J'optimise mes trajectoires, hein. J'optimise okay. À fond, hein. Ou alors la zone bleue elle est peut-être pour moi, genre une fois que la barre se remplit, je suis éjecté si j'y suis pas. Putain, je suis dans une ville, il vient d'y avoir... Il y a des tirs. Putain. T'es où toi? Ouais, je suis dans ta direction. J'y suis pas encore, mais je suis dans ta direction. En fait, si quelqu'un est au même endroit que moi et il me tue, là par contre je meurs direct parce que je suis pas du tout... en train de surveiller ce qui se passe, je suis juste en train de courir comme un con. Je suis pas très très loin, hein, putain. Mais je sais pas si ça. En fait, je connais pas la tolérance du jeu là-dessus, donc. Je me sens seul. Attends. Dans ma détresse.
Putain, je fais que regarder la map en plus. Je suis plus très très loin quand même, hein. En fait, le temps que j'arrive à cette zone, on sera à une autre zone. Je pense que c'est ça qui va se passer. Je parle pas trop là, je me concentre là en fait. Il y a un camion? C'est une grande malchance de ne pas avoir eu de véhicule. Ouais, ça m'étonne même pas en fait. Il est utilisable le camion? Il est pas utilisable. Allez, je suis presque dans la zone. Je suis à quelques pixels de la zone. Ok, je suis dans la zone. Non, Putain. t'y es. Ah oui, t'y es. Ouais, j'y suis. Bon, je vais essayer de te rejoindre. Putain. Me rejoins un poids. Me rejoins un poids. Oui, je sais, je porte la poisse. Je Me rejoins suis. poisse. Je suis en train de me recentrer dans la zone en fait. Dans la zone. Il va plus voir chez C'est moi. quoi? Ouais. C'est un avion qui arrive. Ils vont pas bombarder là où je suis. Non, c'est Non, plus non, loin. non, il est loin. Sur la table de pique-nique, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un gilet de police, ok. T-shirt blanc, sac à Ah, dos court. il a largué un truc, je vois le parachute, mais c'est genre à 10 000 km de là où je suis, donc j'y arriverai pas. C'est beaucoup trop loin. Non mais sans déconner, il n'y a pas un véhicule. Même une moto, même moi qui aime pas les motos, qui perd dans GTA quand il y a des Mais non, motos. mais c'est pas grave, on est bien. On est bien là, on est à pied, on est tranquille. Ouais. C'est Bon, bon. attends. Voilà, je... C'est quoi ça? Y a un village là-bas au fond. T-shirt à manches longues, sac à dos de niveau 1. Ah, je peux avoir plus d'objets comme ça. On va garder mon t-shirt parce qu'on s'en fout. Il y a un village au fond, ouais, exact. On est encore 53 du coup. Moi j'ai 55. Non, mais nous Ah oui, aussi, nous 53, ouais, bien 53 parce sûr. que je ne nous compte pas. Tout à l'heure, quand j'avais le silencieux, j'aurais pu essayer de te tirer dessus pour voir. Mais en fait, t'es un enculé. Bah, c'est pour voir si je pouvais gagner en te tapant. Ouais, mais non. Bon, les maisons n'ont pas l'air d'avoir été visitées. D'accord. Prends celle de gauche, je suis à droite, moi. Et j'aimerais bien avoir l'occasion de me servir de mon fusil snipe, mais j'en demande peut-être beaucoup à mon talent personnel de jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des grenades à fragmentation. Bien sûr que je les veux. Le En cache-flamme, fait, je, ça me servira ça sert à rien pas. du tout que je vienne là où t'es, parce que quand j'arriverai, il y aura déjà plus rien. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit prends l'autre. Bon, ok. Alors, là, la zone bleue est presque remplie. Est-ce que ça veut dire que Ok. ça va changer de zone? Putain, mais je vois des headshots partout qui se font. Je sais pas comment ils font, les mecs, pour faire des headshots. Mais il vise. Ah, c'est pas con. Oh, putain, j'ai entendu tirer. Ok. Allez. J'ai entendu tirer. Je vois rien, mais j'ai entendu. Je me demande si ça vient pas de la ferme qui est par là-bas. Si, je crois. Hein. Elle est dans la zone, la ferme. Ah putain, changement de zone. Ah bah, on est dedans, on est dedans. Attends, on va grimper. Je vais grimper, moi. Tu la vois, la ferme là-bas? Celle devant laquelle je vise? Je me demande s'il n'y a pas quelque chose là-bas. Hein. Tu parles de quelqu'un ou des armes? Non, non, quelqu'un, j'entends tirer. Ouais, mais j'irai pas, moi. Pas pour l'instant, en tout cas. Je suis un peu trop loin pour faire quoi que ce soit, quand même, encore. Oh putain, il y a une grande ville là-bas, pas loin. Rejoins-moi, si tu peux. À ta gauche? Il va y avoir tout le monde. C'est quoi l'espèce d'énorme carré jaune que tu vois un peu au-dessus de la zone rouge? J'en ai aucune idée. En tout cas, il y a une grosse, grosse ville devant moi. Ouais, bah je la vois sur la map. Moi, c'est surtout le fait d'avoir un point de vue en hauteur qui m'intéresse. Bah, tu peux pas être mieux là. Non, je sais, mais est-ce que je suis pas un peu trop loin pour faire quelque chose? En même temps, j'ai un bon point de vue en hauteur sur la ville. Tu veux me donner ton. Non. Ton fusil pour que j'essaye? Non. T'avais même pas fini la phrase, j'avais déjà dit non, je te donne rien. Ah, attends. Est-ce que je vois des gens? Je ne vois personne. Fais voir ton fusil juste pour voir. Non mais je te le rends, ça va.
Tu sais qu'on dirait typiquement les phrases des mecs Hey, je peux voir ton portable? Non, mais c'est bon, je te le rends. Non, mais pff, ça va, j'ai un Scarab, je vais le garder. Non, mais je m'amuse avec, tu me le laisses, tu me laisses mon jouet, ça va, oui. Automatique, ok. Au Scarab, j'étais au coup par coup. Au coup par coup. Ok, je suis en automatique. Est-ce que ça a été visité ici? Ça a pas l'air. A priori, on dirait pas. Oh putain, ça va être bombardé. Ouais, mais on n'est pas dans la zone. Ah, il y a plein de magazines ici, c'est génial. Tiens, j'ai C'est quoi trouvé des ça? balles de Lunettes Scarab. x2. Lunettes x2, c'est déjà pas mal. Il y en a deux ou il y en a qu'une? Y en a qu'une. D'accord. Je la mets sur l'arbalète ou sur le carène? Écoute, c'est toi qui vois, hein. Fumigène, ça peut servir. Et lunettes x2, bah il y en a une là, voilà. Je vais l'équiper quelque part. Viseur point rouge. Ça peut être Ok. bien sur Escarrel avec un chargeur XXL. Ouais, voilà. Je vais faire ça en fait. Je vais mettre le viseur point rouge sur le Escarrel. Attends, Ça mais va t'es à être. l'étage là? Ouais, c'est pas mal. Non, non, je suis en bas. Change la frappine. Ce qui est bien, c'est que j'ai. Wow. J'ai quelques munitions, quelques trucs, quelques. Et j'ai tellement pas confiance dans ma capacité à m'en servir en fait. J'ai trouvé un truc, je sais pas ce Chargeur que c'est. rapide. Non, je peux pas, d'accord. Ah, c'est un fusil à pompe, cool. C'est à peu près, ça peut servir ça. Ah, je vais mettre un bonnet, tiens. Prendre, c'est Voilà. prendre, reprendre ses volets, exactement, et repeindre ses volets. Ouais, mais Voilà. s'il me le donne, c'est pas pareil. Non, mais j'ai pas dit que je te le donnais. Bon, les bombardements ont cessé. C'est quoi ça? C'est un pistolet. Et un lit dégueulasse. C'est aller voir là-dedans. Il y a un pantalon. Je suis habillé comment, moi? Pantalon de combat. Allez, tiens, on va mettre un pantalon de combat. Parce que je fais du combat. Et que je suis celui combat toujours. Du combattant. Combattant de porte. Ok. Est-ce que je vois quelqu'un? Oh, une trousse de secours. Avec un Red Bull et un compensateur. Compensateur qui peut aller nulle part. Il est moins utile compensé. Ah, là je l'aime bien celle-là, c'est pas souvent, tiens. Oh putain, il y a un clocher là-bas, j'irai bien aller voir. J'ai compris, putain, il y a un clochard. Je vais aller voir le clocher, voir ce qu'on peut voir. Putain, mais Il y a molette les... de souris, je veux le truc. Non, mais. Oh putain, je me fais tirer dessus. Bon, enfin, j'entends tirer. Non, mais hé, le jeu se fout de ma gueule. Je veux choper le Scarrel, je peux pas. J'entends tirer. Ouais. Putain, ça doit être un sniper à la cathédrale. Ça m'étonnerait même pas, j'entends en face. Je sens les balles qui passent tout près. Je vais me faire headshot, tu vois. Je zigzague un peu, hein. Ok, où est-ce qu'il peut être? À mon avis, il est genre par là-bas. Je sens tellement que je vais me faire tuer. Aïe, 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 putain! Tu te fais tirer Mais il est dessus? où? Aïe, Oui. putain de merde! Et il est par là-bas. Il est forcément par là-bas. C'est une logique, vu l'endroit où j'étais, il est forcément par là-bas. Ok, je vais tellement mourir. Et je. Non mais voilà, Scarrel. Planque-toi. Je suis tendu là. Je suis pas bien. Calme-toi, mec, c'est un jeu, prends un pépito. Soigne-toi, soigne-toi. Mon avis, je devrais pas faire ça, mais bon, je le fais quand même. Pas serein là. Je viens d'être pris dans une fusillade dans une maison. Bon, j'ai utilisé tous mes bandages. Je sais qu'il y a des mecs par là-bas. Mais. Et puis, je pense que je suis assez visible ici en fait. Il faudrait que j'arrive à voir quelqu'un pour me mettre en position. Je peux pas viser correctement là où je suis. Ouais, faut pas trop en demander.
Je ne vois personne. Je vois personne dans l'église. Où est-ce qu'il est? Putain, j'ai la pression là. Tu m'en sers une? J'aurais pas dû me lever. Je vais me faire griller. Faudrait que j'ai un point de visée pas trop mauvais. Putain, je suis dans la maison. J'ai vraiment la grosse pression là. Je peux plus passer là, t'es sérieux? Merci. Ok. Ça tire, ça tire. J'entends. Mais je vois je pas. Je pense où. Que c'est pas loin de moi, je crois. Non, c'est pas loin. Je l'entends sur ma droite. Je pense qu'il y a du monde là, ici. Hein. Limitation de la zone de jeu, on est dedans au moins? Ah oh, putain, on est limite dedans. Ah, moi, je suis pas en fait. Allez, j'y vais. C'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi. Oh putain. Il est où? Ah putain, mais j'avais plus d'armes. Ok, il était dans la maison où j'étais. Je sais pas si je peux faire quelque chose de là où je suis. Tu pourras rien, il est à l'intérieur de la maison. Non mais il va pas y rester tout le temps. Je vais contourner. J'étais voilà, aux pompes. Hein. Ah ouais, t'étais aux pompes. Ah, c'est chaud. Voilà, moi je vais pisser. Au revoir. Attends, vas-y. Oh putain. Est-ce que je vois quelqu'un? La réponse est non. Sortir. Alors attends, je vais revenir dans le jeu. Je suis tendu. Fumigène, chargeur rapide, machette, non, sac à dos niveau 2. Ouais. Je sais pas où ils sont, je vois rien qui bouge. Oh putain, je vois la zone qui est en train de se replier. Merde, dans quelle zone? Ah bah je suis dedans. Putain, je vois le mur bleu. Ouais, ouais, il s'est rapproché là d'un coup. En je fait, c'est ça le de truc. Prendre un fusil à pompe dans ce genre de zone là, dans une maison. Ouais, c'est une bonne idée. Il faudrait peut-être que j'en trouve un pour ça, tu vois. Il y en avait un juste là où t'étais en haut. Non, c'était une machette. T'es sûr que c'était pas un fusil de chasse? Non, 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 c'était une machette. Il y avait marqué ramasser machette. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Donc, soit j'ai mal vu à côté, mais il y a un truc qui avait marqué machette, je pense que c'est ça. Bon, là, ça a été visité déjà. Pas étonnant parce que la zone est assez restreinte. Ouais, t'as raison. Rentre dans une maison où il y a plein de portes, ferme-les toutes. Putain, j'aimerais bien voir cette arme là. Je me calerai dans un coin. Bah, moi aussi, c'est ce que j'aimerais bien faire. Le problème, c'est que faut trouver le coin. Bah, t'as qu'à aller dans le village de tout à l'heure. Voilà, il y en avait. Bon, je pense que c'est random. C'est aléatoire. Ah, moi aussi. Pourquoi je veux toujours aller dans les chiottes, moi? Ça ressemble tellement à Arma, comment c'est fait? Ça va, tu nous les brises avec ton Arma. Non, mais c'est quand je jouais à Aventure en Exil. Ouais. T'arrives à poil en parachute, tu cherches du stuff et ouais, après mais soit. C'est... Tu... Le jeu est dérivé de ça, je crois. Hein. Soit tu fais. Je crois que le jeu est vraiment dérivé de ça à la base. T'as des missions, soit tu t'amuses à shooter un peu partout, soit tu. Je serais pas trop mal là-haut pour essayer de regarder, mais je pense que je suis pas le seul à avoir l'idée. Oui, mais il y a une cathédrale normalement là où t'es. Ouais, mais elle est derrière et. Je crois que je suis même pas sûr qu'elle soit dans cette zone-là. Franchement, j'essaierai d'y aller. Ah oui. Non, mais je crois que la zone a bougé depuis.
Je joue Accroupiman. Hein. Ah, porte fermée. Ouais, enfin c'est grand ouvert devant, donc... Putain, le mec il prend le temps de fermer la porte. Ouais, chérie, le courant d'air. C'est quoi non, mais... cet objet-là? À ta droite. Faucille. Poignée, coude. Coudé. C'est quoi cet escalier? Je peux installer la poignée. Voilà, poignée. Hop là. Voilà. Putain, t'es sur le toit carrément. Bon. Tu coudes, hein. Des D'accord. munitions, mais là je vais pas trop m'y attarder. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir si je peux voir quelqu'un d'ici. En fait, je suis obligé de me lever. Tout est calculé. Oh, faut pas abuser, pas à ce niveau-là quand même. Oh, je sais pas. Attends, oh merde, putain, j'ai que. Dans deux minutes, je vais devoir quitter. Et ça fume à gauche. Il y a une bagnole. T'as carrément un silencieux en plus. Oh, mais t'es tellement mauvais. Putain. Mais merci. C'est putain, t'es un scoop. Évidemment que je suis mauvais. C'est... on le sait tous. Le mec, il va arriver, il va me péter à main nue s'il veut. Hein. Au cas qu'il peut me. Moi, je me fais bananer. Hein. J'ai le mérite d'essayer, voilà. Mais je ouais, sais. Ouais, mais que tu m'excuseras, t'as pas voulu me donner ton arme. Mais non, je veux m'amuser avec. Au moins me l'a prêté. Fumigène encore. Ah, le Vector. On dirait non. Oh, c'est quoi celle-là? Ouais, c'est nul. C'est quoi ce... C'est un silencieux, non? Bon, faut peut-être que je me casse, en fait. Il me reste une minute. Donc on va reprendre le Scarel. Ça tient. Hein? Là. Bah oui, mais de toute façon, il faut que je me casse. Hein. Il me reste une minute. D'accord, c'est pas par là. Merde, c'était où? Là? C'est la fossile. Ah voilà. Elle met des fossiles. Putain, j'ai oublié celle-là tout à l'heure. Ouais, mais moi je. Oh putain, c'est qui? Viens là. C'est derrière toi. Non, je crois pas. Je crois que c'était dedans, non? Oh putain, non, c'est là-bas. Ok, je suis pris pour cible, clairement. Là-bas. Avec okay. Une arbalète, putain! Il m'a niqué à l'arbalète! Mais moi? Il y a aucun respect! Oh putain de merde. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Non, mec, non. C'est pas la peine d'écrire ça. Ah, c'est nos skills, sérieux. Ah, mais j'ai aucun skill, putain. 11 sur 49. Ah, la vache.